Bonsoir, chers amis. Bienvenue à notre visioconférence de ce soir. Je suis Hervé Gilbert de Haïti Connexion Network, de concert avec le Dr Carl Gilbert, chirurgien et journaliste sur la console technique. Vous avez l'occasion d'être sur le plateau de l'une des plateformes les plus connues du web. Haïti Connexion est un multimédia pour les échanges culturels, intellectuels, scientifiques et autres. Depuis, nous avons développé et élargi le réseau en faisant appel à d'autres collaborateurs comme notre grand ami Max Dorisson du Canada, le promoteur de cette visioconférence de cet après-midi. Ce soir, c'est un grand honneur pour nous d'accueillir sur notre plateau une invitée de marque, Madame Dominique Anglade, présidente du Parti libéral, l'un des plus anciens partis du Québec. L'un des anciens partis politiques du Québec. Née le 31 janvier 1974 à Montréal, la semaine prochaine, c'est son anniversaire. Bonne fête à l'avance, Madame Anglade. Merci, merci. Faisons un bref parcours de sa carrière professionnelle, qui est une longue feuille de route que je ne peux même pas résumer en 2 heures, tant sa richesse augure d'un lendemain prometteur. Pour faire court, je me contente de la résumer avant de passer le micro à Madame. Toutefois, les intéressés peuvent le consulter sur Google. Les amis, veuillez fermer votre microphone, s'il vous plaît. Tous les microphones doivent être muets pour le moment. Maintenant, d'entrée de jeu, Madame est ingénieure et détentrice d'une MBA. Présentement, elle est députée, chef du Parti libéral, chef de l'opposition officielle. En 2014, elle fut nommée Young Global Leader par le World Economic Forum de Davos. Elle fut classée parmi les 50 leaders de demain dans le monde des affaires et les 15 femmes qui feront bouger le Québec. Aujourd'hui, en sa qualité de députée, Dominique Anglade, depuis le 11 mai 2020, est devenue la chef du Parti libéral du Québec. À ce stade, bien avant Kamala Harris, elle avait brisé en miettes le plafond de verre qui limitait l'accession des femmes aux postes majeurs de la classe politique canadienne. Bienvenue, chère madame. La parole est à vous. Quelle est donc votre vision pour le Québec de demain? Bonsoir à tous. Je vais commencer par vous saluer ce soir et j'espère qu'on va pouvoir avoir un bon échange. L'objectif de la soirée pour moi, bien sûr, c'est de me présenter, de parler de ma vision, mais aussi de répondre aux questions que vous avez, que vous vous posez. Et ces questions peuvent être d'ordre totalement différent, professionnel, plus personnel. J'aime dire souvent que dans ce genre d'échange, il n'y a pas vraiment de tabou, c'est l'opportunité de pouvoir mieux se comprendre et apprendre à se connaître. Alors, on l'a mentionné, je suis de formation ingénieure et j'ai passé la majorité de ma carrière dans le domaine des affaires. Donc, travailler pour des grandes entreprises, que ce soit Procter & Gamble, que ce soit Nortel, j'ai eu l'opportunité de travailler en Ontario, aux États-Unis. J'ai habité également à Vancouver. J'ai aussi habité à Haïti pendant mon adolescence, puisque mes parents y étaient retournés. J'ai travaillé également j'étais PDG de Montréal International avant de décider de faire activement de la politique. Parallèlement à ça, j'ai beaucoup évolué dans le milieu communautaire aussi, ou de l'implication sociale, des associations, parce que du côté des affaires, je m'intéressais beaucoup au développement professionnel, l'apprentissage de la gestion, etc. Mais d'un point de vue personnel, j'ai toujours voulu essayer de voir comment on était capable de redonner à la société, de redonner un... de redonner au reste du monde. Et en 2015, j'ai décidé donc de faire le saut actif et j'ai été élue députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et après avoir été élue députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, j'ai été nommée ministre, puis vice-première ministre au Québec. Par la suite, il y a eu la dernière campagne et le Parti libéral du Québec que je préside maintenant, que je dirige maintenant, s'est retrouvé dans l'opposition puisqu'on a perdu nos élections. Et je me suis présentée à la chefferie. Et si je me suis présentée à la chefferie, c'est parce qu'effectivement, je porte une vision par rapport à notre avenir collectif, une vision qui se confirme finalement avec tout ce que l'on vit avec la COVID. Je vous dirais que on est dans une société dans laquelle on a vu à quel point les personnes vulnérables étaient vraiment mises de front.
Lorsqu'il y a eu la COVID, on a vu les personnes qui sont les personnes qui sont dans le milieu de la santé, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les médecins, souvent des femmes en passant, qui étaient véritablement celles qui avaient été particulièrement touchées, d'abord parce qu'elles étaient au front, mais aussi parce que avec les enfants qui sont restés plus longtemps à la maison, qui ont la charge mentale à la maison, et également dans des secteurs comme le tourisme, l'hébergement, qui ont été frappés de plein fouet. Ça a mis en évidence les failles aussi d'un système que l'on a. On vit dans un système capitaliste, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on est capable de mieux contrôler les inégalités et puis de rééquilibrer les forces finalement dans notre système? Et moi, je vous dirais que ce que je vois, c'est que traditionnellement, on a toujours parlé de la nécessité de créer de la richesse pour mieux la redistribuer. Et au Québec, on a été capable de faire ça. Donc, les entreprises font des produits, offrent des services, le gouvernement les taxe, prend les taxes, crée des écoles, font les hôpitaux et les programmes sociaux. C'est un modèle qui est qui a bien fonctionné pour nous au Québec parce que les écarts de richesse sont beaucoup plus faibles qu'ailleurs, même si ce n'est pas une société parfaite non plus. Mais de plus en plus, il faut se poser la question sur la manière dont on crée cette richesse-là. Il faut que ce soit une richesse qui soit inclusive. Ça veut dire que toutes les personnes, peu importe où elles habitent, peu importe leur origine, peu importe la couleur de leur peau, qu'elles soient hommes, qu'elles soient femmes, qu'elles fassent partie intégrante de cette création de richesse. Et aussi la question du développement durable, la question des enjeux climatiques qui est vraiment essentielle. La question des enjeux climatiques, ce n'est plus seulement une considération. Ça doit être un élément central des politiques publiques que l'on met de l'avant et c'est la raison pour laquelle ça devrait être porté par le premier ministre au premier chef. Et donc, dans la vision que l'on porte pour la suite des choses, il faut absolument que l'on parle d'économie, de création de richesses qui soit à la fois inclusive, qui soit à la fois durable. Et je pense que c'est ces éléments-là qu'il va falloir qu'on mette de l'avant. Évidemment, tout ça nécessite qu'on ait un système d'éducation digne de ce nom. On a vu à quel point c'était difficile pendant la COVID de maintenir ce système, puis pas seulement de le maintenir, mais de nous assurer que ceux qui sont plus vulnérables dans ce système-là puissent y trouver leur compte. Et je pense qu'il va falloir qu'on mette un accent particulier en matière d'éducation. En matière de santé, on a vu beaucoup de personnes aînées particulièrement affectées par la COVID. Si ce n'est pas par les personnes qui ont perdu la vie, ce sont leurs proches. Si ce n'est pas ça, ce sont leurs amis. Les aînés, ce n'est pas seulement dire qu'ils sont dans nos soins de longue durée, dans ce qu'on appelle ici les CHSLD, mais il faut beaucoup miser sur les services à domicile. Et ça, il y a un énorme virage à prendre de ce côté-là. Un autre élément, je pense, d'un point de vue de la santé, qui est une espèce de iceberg qu'on a en avant nous, c'est toute la question de la santé mentale, sujet qui reste encore trop tabou, mais qui fait en sorte que les gens aujourd'hui souffrent énormément et il faudrait que les soins pour la santé mentale soient aussi accessibles que les soins que nous avons, que les soins que nous avons pour la santé physique. Donc, tous ces éléments-là, mis ensemble, nous permettent d'envisager un Québec qui va être un Québec fort, encore une fois avec une économie inclusive, une économie durable, avec un système de santé qui pense à la prévention, qui pense à la santé mentale, qui couvre l'éducation et aussi les enjeux pour les plus vulnérables. Je vous dirais qu'il y a déjà dans l'ADN québécoise une manière de réfléchir en ce sens. Donc, il y a plusieurs grandes entreprises au Québec qui sont des entreprises qu'on appelle des coopératives, donc qui sont installées dans les différentes régions, qui permettent. Elles sont installées dans les régions, elles permettent un ancrage, pas une délocalisation. Je pense notamment à Desjardins, je pense à Solio dans le domaine agroalimentaire. Donc, dans différents domaines, il y a déjà des entreprises qui ont démontré ça avec le temps. Je le dis parce que ces entreprises-là reflète un peu l'ADN que l'on a d'avoir des entreprises bien ancrées dans leur communauté. Et puis évidemment, il y a toutes les relations entre le Québec et le reste du pays, le Québec, les autres provinces, le Québec et les États-Unis, le Québec et Haïti. Il y a beaucoup de choses également à faire. Mais j'ai envie de vous dire que tous ces sujets-là pourraient être abordés dans les prochaines minutes avec vous. Ma question j'ai envie de vous retourner la question parce que dans ce genre de débat-là, moi, j'aime bien pouvoir répondre aux questions que les gens se posent et ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Si nous avons des gens, des femmes, je vois quelques femmes, mais je ne les vois pas toutes à l'écran. La question de la femme, je pense, est importante. J'ai été élevée par un père et une mère
féministe et très engagée. Mon engagement vient certainement des valeurs qu'ils m'ont inculquées. Je suis également mère de 3 enfants, donc j'essaie de transmettre ces valeurs au quotidien. Et s'il y en a qui ont des questions aussi d'ordre plus personnel, la conciliation famille-travail, ces enjeux-là, ça me ferait plaisir de pouvoir également y répondre. Alors, j'ai envie, M. Gilbert, oui, de vous céder la parole et de voir avec vous quels sont les thèmes que les gens qui sont avec nous ce soir souhaiteraient aborder. Merci, madame. Je peux commencer, Hervé. Non, mais vas-y, d'accord. Lionel Dorismont. OK. Lionel Dorismont. Bonjour, Dominique. Ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Dominique et moi, on a travaillé à Nortel. J'ai rencontré à Nortel, ça fait longtemps. Mais là, tu habites où? Tu habites où maintenant? En Caroline du Nord. Tu es toujours en Caroline du Nord. Caroline du Nord, toujours, oui, oui. Donc, j'ai une question pour vous. Okay? À l'été 2019, en vacances à Montréal, j'ai vu une ville plus cosmopolite que quand moi j'ai laissé en 2000. Okay? Donc, j'ai vu des gens de différentes minorités qui occupaient des postes dans les magasins, les banques, restaurants, épiceries et autres. Donc, mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce de même dans les grandes entreprises et surtout à des postes de direction? Si la réponse est non, comment au Québec, avec comme première ministre, Mme Anglade, va-t-elle influencer des changements pour faciliter l'intégration de ces minorités et leur progéniture à des postes de direction dans ces entreprises? Merci, merci Lionel de la question. Il est évident que par rapport à 2000, il y a plus de diversité, c'est plus cosmopolite parce que le temps fait son œuvre, l'immigration se poursuit, les gens s'y installent. Donc, c'est ça qui a une différence entre 2000 et aujourd'hui. Par contre, il reste beaucoup de travail à faire. Il reste beaucoup de travail à faire. On a eu tout le débat, vous savez, tout le débat qu'on a eu avec... ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, ce qui s'est passé aussi ici avec Joyce et Chacoan, des événements où on voit des événements racistes où des gens perdent, dans lesquels les gens perdent la vie. Et je pense que ça a réveillé certaines consciences. Et ça fait longtemps qu'on parle de différents plans de match qu'on devrait mettre de l'avant. Tout à l'heure, je parlais de la création de richesses de manière durable et inclusive. Alors, des exemples très concrets de ce que l'on pourrait faire d'un point de vue inclusif, c'est de dire, comme gouvernement, là, le marché, les entreprises, c'est indépendant du gouvernement, les entreprises fonctionnent, elles créent leur entreprise, etc. Mais est-ce qu'on pourrait favoriser, encourager, avec certains incitatifs, certains moyens, tous ceux qui ont une approche plus inclusive, des gens qui viennent de partout, des gens qui viennent de différentes régions, des gens qui sont issus de l'immigration, et donc encourager ça avec des incitatifs ou... mettre ça de l'avant. Je pense que ça, c'est la première, c'est une des choses que pourrait faire le gouvernement. Il y a aussi le devoir d'exemplarité. Le gouvernement, dans la fonction publique, doit aussi pouvoir démontrer qu'on est le reflet de notre société. Hommes, femmes, blancs, noirs, personnes qui sont issues des communautés, des nations autochtones, on doit pouvoir le démontrer et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, comme on dit en anglais, you get what you measure, il faut qu'il y ait des chiffres qui soit à l'appui, puis l'on puisse dire, voici les objectifs que l'on a et voici comment nous allons les atteindre. Moi, je pense que ce qui nous manque présentement, c'est véritablement une volonté politique de faire les choses. Quand j'étais au gouvernement, on avait lancé un programme qui s'appelait Entreprendre ici, où on encourageait les gens, justement, issus de l'immigration, à entreprendre et lancer des entreprises. Je pense qu'avec une véritable volonté politique de répondre à ces enjeux-là, de faire des propositions qui soient inclusives, de démontrer, nous, comme gouvernement, nous, comme politiciens, qu'on va prendre des mesures réelles pour faire en sorte que, pour encourager les gens, ça va envoyer une tonalité, un message par rapport à ça. On a vu à quel point il peut y avoir des tensions entre les groupes partout dans le monde, aux États-Unis, là où tu es, Lionel, évidemment, au premier chef, mais... je pense qu'au Québec, on est capable de faire ça de manière inclusive et j'espère qu'on pourra continuer à être un modèle et même montrer aussi au reste du monde ce qu'on est capable de faire ici au Québec. Merci. Alors, mes amis? Oui. Alors, justement, on continue. Maintenant, la prochaine question, c'est qui est-ce qui va l'adresser, please, s'il te plaît? Allô? Je vois la main de... Je vois monsieur Eddie. Cavé. Monsieur Cavé. Cavé.
Eddie Cavé, d'accord. Oui, bonjour Madame Anglade, moi je suis Eddie Cavé d'Ottawa. Et pour compléter ce que vous venez de répondre à la question de Lionel, je veux dire que j'ai été vice-président d'une grosse entreprise québécoise à un moment donné. J'étais vice-président à Montréal pour le réseau et directeur du bureau régional à Ottawa. Et tous les vendredis, j'avais une réunion à mon siège social à Montréal. C'était un gros cabinet de traduction qui s'appelait La Langage. C'était dans les années 80. Et après chaque réunion du vendredi matin, on allait dans un grand restaurant du centre-ville de Montréal. Je peux vous dire que j'étais le seul noir à déjeuner, à inviter à un déjeuner d'affaires dans le centre-ville de Montréal. À la même époque, quand j'allais à Toronto, il y avait des noirs partout. Et le Québec était de loin derrière l'Ontario et particulièrement et Toronto. Et j'ai été agréablement surpris de voir au fil des ans que cette situation de recul par rapport à Toronto ne s'est pas résorbée complètement, mais il y a eu de grands progrès. Ce qui est encourageant, et je crois que ça va vous faciliter la tâche un peu parce que après, bon, l'expérience du Parti québécois et voir le Québec s'est plus retranché d'abord, replié sur lui-même au point de vue de la langue, mais il y a eu une ouverture d'esprit qui est encourageante. Et de ce point de vue-là, la question de Lionel est non seulement très pertinente, mais ça vous donne aussi un coup d'œil peut-être plus large sur une question qui est évidente. Il y a une sous-représentation des Noirs dans un domaine qui n'est pas la compétence du gouvernement. Donc, c'est bonne chance. Vous connaissez bien le problème. La fille de Mireille et de Georges, vous avez milité dans sous ces milieux-là. Et donc, vous êtes bien placé. Vous avez également une longueur d'avance sur tous les concurrents possibles de ce point de vue-là. En tout cas, c'est un vrai problème, mais on a confiance en vous et puis allez-y. Merci beaucoup, M. Cavé. Si je peux me permettre, je vous dirais que chaque personne peut vraiment jouer un rôle, peu importe où il se trouve, pour essayer justement d'amener plus de personnes issues de la diversité, et peu importe comment on qualifie cette diversité-là. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais ministre, puis on m'avait invité à un événement, puis j'avais demandé, bon, c'est qui sur la table d'honneur? Je dis, je vois personne issue de la diversité. Oui, mais c'est parce qu'on a demandé, personne n'a été disponible, etc. J'ai dit, ben, s'il n'y a personne de la diversité, ben, moi, j'irai pas, vous allez faire vos devoirs. Il y a aussi un moyen de lancer des messages pour voir plus de représentativité, et chacun, dans le rôle qu'il a, peut faire un bout de chemin aussi, un bout de chemin là-dedans. Je pense que dans les débats que nous avons eus au Québec, il y avait la nécessité que les francophones s'affirment de manière forte au tournant de toute la Révolution tranquille. Il y avait d'autres débats ailleurs, mais ce débat-ci, il est particulier au Québec. Puis après, ça a été les femmes. Puis maintenant, on pense davantage à la question de la diversité de manière plus large. Donc, je pense que ça explique aussi le fait que les débats n'aient pas nécessairement eu lieu dans les mêmes échéances qu'ailleurs. Mais je prends bonne note de ce que vous me dites, M. Cavé. Intervenant. Je pense que je peux ajouter une question. OK, vas-y, Max. Madame Anglade, comme vous étiez ministre de la technologie, je pense, est-ce que la question du 5G, de l'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup? Est-ce que sous votre gouvernance, si vous parvenez au timon des affaires de la province, est-ce que l'intelligence artificielle fera partie de vos programmes? Merci. Oui, excusez-moi. Mais merci, M. Dorismond, de la question. La réponse courte, c'est oui. Puis je vais vous dire pourquoi c'est oui. Quand j'étais au gouvernement, j'étais ministre des Sciences et ministre de l'Économie et de l'Innovation, moi-même, à un moment donné, j'ai dit,
il y a quelque chose qui se passe en matière d'intelligence artificielle et le gouvernement doit se positionner. C'est à ce moment-là que j'ai réuni des gens du milieu scientifique, du milieu universitaire, donc du milieu d'affaires et le politique, pour créer une grappe en intelligence artificielle au Québec. Donc, on a investi des centaines de millions là-dedans pour réellement positionner le Québec de manière forte en intelligence artificielle. C'est quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque, ça me tient toujours à cœur. Je pense que notre responsabilité, c'est de créer un écosystème pour faire en sorte que les compagnies puissent évoluer là-dedans. J'étais moi-même de celle qui était allée annoncer à Ottawa, justement, le 5G avec plusieurs entreprises qui étaient impliquées pour un corridor 5G entre l'Ontario et le Québec. Donc, ce sont des sujets qui m'interpellent constamment. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que le gouvernement a la responsabilité d'investir de l'argent dans les entreprises directement, mais au moins de créer l'écosystème, au moins de soutenir la recherche, au moins de soutenir nos universités dans tous ces domaines d'activité. Et la réponse courte, c'est oui, absolument. Tout ce qui s'appelle nouvelles technologies, tout ce qui s'appelle intelligence artificielle, la science de manière générale. Moi, j'ai une formation scientifique et je valorise beaucoup, beaucoup la science. Et d'ailleurs, je pense très sincèrement, je le dis objectivement, je pense que si on avait plus de scientifiques en politique, on serait plus avancé. Parce qu'on prendrait des décisions qui sont davantage basées sur la science que des décisions qui sont basées sur des opinions et des sentiments. Merci. Bien. Merci. Mireille a levé la main. Mireille. Bonsoir, Madame Anglade. Félicitations. Félicitations d'avoir brisé ce plafond de verre, comme M. Gilbert il a dit. Moi, j'ai une question, j'ai une préoccupation. Ça concerne les femmes. Avez-vous un plan de match pour rendre plus accessible la justice et non partisane et équitable pour les femmes victimes de violences sexuelles, conjugales et autres? Merci de la question. Est-ce que vous êtes basé, où est-ce que vous habitez? Excusez-moi, j'ai pas... J'habite à Mireille Jean-Louis, j'habite à Longueuil. À Longueuil, ok, parfait. Alors, vous parlez de violences sexuelles, de violences... Alors, récemment, il y a eu un rapport qui a été déposé pour tout ce qui s'appelle l'exploitation sexuelle des jeunes. Tout un rapport avec des recommandations qui ont été mises de l'avant, dont la vice-présidente de la commission était Christine Saint-Pierre, ma collègue. Et donc, ça, par exemple, c'est un exemple très concret de choses qui peuvent être mises de l'avant. Il y a aussi les fonds d'aide aux victimes qui ont été aux victimes d'actes criminels, notamment en lien avec ça, qui est en train de faire toute une réforme, et c'est mon collègue Marc Tanguay. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, mais qui n'ont pas vu le jour. Ce sont des recommandations présentement, mais on n'a pas encore vu le résultat de la mise en place des politiques. Donc, moi, je vais encourager cette réforme qui a lieu présentement pour... l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Je vais encourager, évidemment, les réformes qui ont été proposées par le groupe pour l'exploitation sexuelle. Mais de manière plus générale, je pense qu'il y a une emphase qui doit être mise sur la question de la femme. Pourquoi? Parce que avec ce qui s'est passé, la pandémie, on n'a pas tous les chiffres, mais on peut déjà constater qu'il y a un recul de la présence des femmes sur le marché du travail. Puis le recul, il vient d'où? Comme je disais tout à l'heure, les femmes ont été frappées 3 fois. Une fois parce qu'elles ont été les premières à être sur le terrain, à être au front, que ce soit comme enseignante, comme infirmière, comme préposée aux bénéficiaires, donc très au front. Au front parce qu'elles ont été dans des secteurs qui sont plus touchés par la pandémie, comme l'hébergement et la restauration. Au front parce qu'elles ont été plus présentes avec les enfants. Et souvent, ce sont des salaires qui sont moindres. Et donc, quand il faut faire les choix entre le salaire de celui qui va rester à la maison, c'est la femme qui paye le coût. Donc, particulièrement touchée par la COVID. Et en ce sens, il va falloir que l'on ait une énorme sensibilité aux questions de genre pour la suite des choses. Et je reviens encore à ce que je disais quand je disais une économie qui soit inclusive et durable. L'inclusion, ça veut dire la question de la femme. C'est pas juste de dire « Ah, on veut créer des emplois payants ». Non, mais comment est-ce qu'on va faire en sorte que les secteurs que l'on va encourager vont permettre aux femmes de retourner le plus rapidement possible sur le marché du travail? Le soutien également en matière de santé mentale, parce que souvent, ce sont elles qui ont les enjeux
de charge mentale à la maison, je vous dirais. Donc, moi, j'ai une énorme préoccupation par rapport à ça. Peut-être une petite anecdote qui me vient de ma mère. J'avais peut-être une dizaine d'années, puis ma mère m'avait posé la question, Dominique, qui est plus pauvre que l'homme le plus pauvre au monde dans le pays le plus pauvre? Et j'avais réfléchi, j'ai dit, bon, plus pauvre que l'homme le plus pauvre au monde dans le pays le plus pauvre, probablement personne. Elle m'a dit, en fait, oui, sa femme et bien souvent ses enfants. Et je raconte cette anecdote-là parce que ça te permet de, peu importe les politiques que l'on met de l'avant, il faut avoir ce souci de réfléchir à comment ça va avoir un impact sur les femmes et encore de manière plus importante aujourd'hui à cause justement de la COVID. Merci. J'ai une question, mais je ne vois pas où je peux lever ma main. Alors, posez votre question directement. D'accord. C'est Madame Gilles? Oui, c'est moi. Bon. Oui, bonsoir, Madame Anglade. Tout d'abord, permettez-moi, je me présente, je m'appelle Emmanuelle Gilles, je vis à New York. Et je ne connais pas trop le contexte de la politique canadienne, mais je tiens à vous féliciter suite à votre élection en tant que chef du Parti libéral du Québec et également chef de l'opposition officielle. Et en tant que femme et d'origine haïtienne, je dirais que c'est déjà une demi-victoire et nous attendons qu'elle soit complète. Qu'est-ce que vous anticipez comme obstacle ou défi dans cette position, surtout en termes de stéréotypes, et comment sensibiliser et plus de femmes à participer dans les débats politiques? Bon, alors les défis et les obstacles, ils sont nombreux, hein, Mme Gilles. Alors, merci de vos félicitations. Si on se projette, les élections vont avoir lieu dans environ 18 mois, un peu plus de 18 mois. Les défis sont nombreux, nombreux, nombreux. D'abord pour le parti, d'abord pour ma formation politique, parce qu'il faut reconnecter avec toutes les régions du Québec. On a un gros travail de fond à faire sur le terrain. En plus, on est en période de COVID, donc pas évident, un moment assez difficile pour tout le monde. Ensuite, c'est sûr que comme chef, femme, issue des communautés culturelles, communautés noires, etc., c'est sûr que le défi de te faire connaître, le défi de passer par-dessus des a priori que des gens peuvent avoir, il est présent. Mais moi, je crois beaucoup, ce que la vie m'a enseigné, en tout cas jusqu'à présent, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail de terrain, aller à la rencontre des gens, trouver le lien qui nous connecte à la personne qui est en face de nous. On n'a pas besoin d'être identique pour comprendre les enjeux, pour se comprendre. Et lorsque j'ai décidé que je me présentais comme chef, j'ai été la première à lancer ma candidature. Puis tout le monde me disait, mais pourquoi tu y vas si tôt, Dominique? Pourquoi tu lances ta campagne aussi tôt? Tu peux attendre qu'il va se présenter. Et à l'époque, il y avait plusieurs noms qui circulaient. Et je me suis dit, moi, je n'ai pas le choix. Il faut que je me présente de bonne heure parce qu'il faut que j'aille rencontrer les gens qui sont sceptiques, les gens qui pensent que je ne ferai probablement pas une bonne chef, mais que je dois aller convaincre. Donc, ça prend du temps, ce travail-là. Mais on ne peut pas faire l'économie de cette présence sur le terrain. C'est ça qui fait la différence. Et après, en ce qui a trait à encourager des femmes à faire de la politique, là non plus, il n'y a pas de miracle. Hein. Il y a des exemples, mais il faut... Je dis toujours, dès que quelqu'un me dit... est-ce que vous êtes intéressé par la politique? Là, j'ai souvent la réponse, ah non, moi, j'en ferai jamais. Je dis, ah, ben, c'est une bonne réponse, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils en feront jamais. Ça veut juste dire, c'est probablement un oui, ça, mais c'est un oui, il faut poser la question deux, trois. Moi, j'ai dit non à plusieurs reprises avant de faire la politique, avant même d'accepter de sauter en 2015. J'ai dit non à plusieurs reprises. Et puis, à la fin, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, il faut souvent insister, il ne faut pas lâcher, il faut avoir énormément de persévérance. Et puis, il faut aussi montrer le côté de la politique qui n'est pas. Je pense que les femmes s'intéressent beaucoup à l'aspect humain des choses. On a l'impression que la politique, ce sont toujours des politiciens qui sont dans un parlement et puis qui s'échangent des questions puis des réponses. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus large que ça, la politique. Il faut faire découvrir ces autres aspects de la politique qui pourraient interpeller plus de femmes, justement. Très bien. Merci. Merci à vous. OK, Carl, vas-y. Carl, vas-y. OK, merci, Hervé. Je crois que Madame Anglade a partiellement répondu à ma question, mais je vais la poser quand même.
Oui, je suis Carl Gilbert, je suis un chirurgien en pratique dans l'État d'Arkansas, aux États-Unis. Ma question est la suivante, Madame Anglade. Je crois que vous avez dit, après l'investiture de Madame Kamala Harris comme vice-président, que, je vais reprendre exactement ce que vous avez dit, que l'exemple de Kamala Harris ne doit pas être tenu pour acquis. Est-ce que vous voulez élaborer un petit peu sur cette déclaration? Absolument. Je dis souvent qu'il est prudent de ne pas prendre les avancées pour des acquis. En fait, il faut célébrer les avancées parce que souvent, ce sont des plafonds de verre qui sont brisés. Il y a un énorme plafond de verre qui a été brisé deux fois plutôt qu'une avec l'arrivée de Mme Harris à la vice-présidence des États-Unis. Donc, il faut les célébrer, ces victoires, mais il faut surtout se dire qu'il y a énormément de travail qui reste à faire pour que ça devienne, on va dire, monnaie courante. On l'a bien vu aux États-Unis. Ce n'est pas parce que Barack Obama a été élu président des États-Unis que les questions raciales aux États-Unis sont réglées, loin de là. Et il y a des questions, par exemple, je crois qu'on peut considérer maintenant au Canada que le droit de vote des femmes est un acquis. Bon, ça, c'est un exemple. Mais le droit à l'avortement, par exemple. Le droit à d'autres, et là je vais peut-être toucher le cœur de certaines personnes plus religieuses, mais c'est quand même un droit qui a été acquis, mais ça ne veut pas dire que les questions ne reviennent pas, qu'on n'en reparle pas, qu'on n'en rediscute pas. Il fut un temps au Canada, il y a quelques années, on avait 6 femmes chefs de gouvernement. 6 femmes chefs de gouvernement, si on inclut évidemment l'ensemble de nos provinces et de nos territoires, qui sont au nombre de 13. Aujourd'hui, il n'y en a aucune. Donc, parfois, on a l'impression que les choses avancent. C'est vrai, mais il ne faut jamais considérer que le travail est fait parce qu'il y a une personne qui a réussi à atteindre un certain niveau. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui doit continuer de se faire. Ces personnes-là tracent la voie, mais on attend beaucoup dans la suite et dans les personnes qui vont marcher dans les pas de ces personnes-là qui ont tracé la voie. Alors, ne jamais confondre des avancées pour des acquis, c'est un peu le sens de mon message. Merci. Il y a Sabrina maintenant qui a levé la main. Sabrina, vas-y. Merci, Madame Anglade, de nous accorder cette entrevue quelque part. Et je m'appelle Sabrina Josselin, je suis ingénieure et je suis chercheuse aussi en sécurité des machines à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail. Et moi, je vis à Laval, au Québec. Et j'ai deux questions. D'abord, par rapport, on parle beaucoup des femmes, donc c'est par rapport aux femmes et aux minorités. J'ai lu différents articles scientifiques et ce qui ressort souvent, c'est que oui, les femmes, d'une manière générale, sont les premières victimes de la pandémie sur le marché de l'emploi, parce qu'on est dans une période d'incertitude, et donc les employeurs, c'est ça, ils ont peur ou il y a une crainte à recruter des femmes, parce qu'ils associent souvent les femmes, surtout celles qui sont jeunes, à des femmes qui n'auront pas le temps parce qu'elles doivent s'occuper de leur famille, etc. Et ensuite, après, les femmes, d'une manière générale, on trouve les minorités visibles, second groupe, si on peut dire, de victimes. Puis après, il y a tous les gens qui ont un handicap physique. Je sais qu'au niveau gouvernemental, il y a différents programmes qui favorisent, qui encouragent l'emploi de ces gens-là, issus de ces groupes-là. Je me demandais, à la lumière de ce qu'on aura appris avec la crise actuelle, comment, je ne sais pas si vous y avez pensé avec votre parti, mais comment on peut faire pour étoffer ces politiques-là, ces programmes gouvernementaux-là, à l'épreuve d'un minimum des crises actuelles et, je dirais, à l'épreuve des grandes périodes d'incertitude. Donc, des jeunes qui terminent, des jeunes femmes... Et encore pire, quand ce sont les femmes de minorité visible, elles appartiennent quand même à deux groupes pour qu'elles puissent trouver
ce sera plus facile l'accès à l'emploi dans des périodes de crise pareilles. C'est ma première question, je poserai ma deuxième après. Merci beaucoup Sabrina de prendre le temps d'élaborer pour présenter la question qui n'est pas une question simple. Et elle suscite chez moi plusieurs réflexions. La première, c'est de dire que chaque niveau de diversité amène son niveau de complexité. C'est sûr que c'est dans bien des secteurs, si tu es une femme, c'est plus difficile. Après ça, si tu es une femme issue des communautés culturelles, c'est difficile. Après ça, si tu es une femme issue des communautés culturelles gay, ça peut être plus difficile. Donc, chaque niveau de diversité amène un enjeu de complexité. Par contre, quand on est capable d'intégrer ce niveau de diversité-là à l'échelle d'un groupe ou à l'échelle d'un ensemble, on est collectivement plus riche. Puis la société idéale, c'est la société dans laquelle chaque personne, indépendamment d'où il vient, de sa région, de sa couleur, du milieu social duquel il est issu, est capable d'atteindre son plein potentiel. Ça, c'est la société idéale. Et je crois que le mot clé dans tout ça, c'est le mot inclusion. C'est dans les politiques que l'on met de l'avant, et je reviens à ce que je disais au tout début quand je parlais d'une économie qui soit à la fois durable et inclusive, c'est d'encourager justement les comportements qui vont faire en sorte qu'on va aller chercher du monde qui vient d'ailleurs. Puis quand je dis « vient d'ailleurs », dépendant de où on se situe, évidemment, ce n'est pas la même chose. Quand je dis « vient d'ailleurs », ça peut vouloir dire que dans certaines communautés en Mauricie, on va s'assurer d'aller recruter des personnes qui sont issues des nations autochtones, parce qu'il y a certains groupes autochtones qui ne vivent pas loin, qui vivent en Mauricie, justement. Alors, où on peut s'assurer qu'il y a un meilleur dialogue. Ça peut être la même chose en Abitibi. C'est différent, cette notion de diversité, à Montréal, évidemment. Donc, toutes ces questions-là doivent, à mon avis, faire partie de manière transversale à des politiques publiques. Alors, moi, ce que j'espère faire, c'est dans la vision qu'on est en train de préparer, qu'on va commencer à déployer cette session-ci, là, à partir de février, mars, avril, c'est de démontrer quelles sont les politiques publiques qu'on peut mettre de l'avant justement pour penser à la notion d'inclusion dans les différentes sphères d'activité. Mais encore une fois, ça prend une volonté politique, ça prend qu'on mesure les résultats. C'est le devoir d'exemplarité de l'État de dire « moi, je veux faire affaire avec des entreprises qui se préoccupent et qui se soucient de ces enjeux-là ». C'est dans la manière aussi de considérer qu'il y a des rôles peut-être qui n'étaient pas suffisamment considérés par le passé, mais qui ont une valeur extraordinaire. Je donne un exemple. Dans le domaine communautaire, on a vu à quel point le domaine communautaire est un domaine qui a su tenir le fort pendant la crise. Souvent, ce sont des organismes qui sont financés, pas nécessairement à la base, à leur programme de base, mais sont financés avec des projets, sont financés par projet. Ça complexifie beaucoup les choses. Il faut voir comment tout ce tissu-là va s'intégrer. Quand on parle de développement économique et social, comment tout ce tissu-là va venir s'intégrer. Je pense que ça nous a fait voir à quel point on avait un travail à faire avec l'économie sociale, l'économie communautaire, où on retrouve aussi beaucoup la présence des femmes et la présence de communautés, justement, issues de la diversité. Donc, je pense que tout ça doit s'intégrer dans le mot inclusion, mais avec des politiques publiques bien spécifiques. Puis j'ai bien l'intention d'en présenter puis d'en mettre de l'avant dans les prochains mois. Merci. Et je ne sais pas si j'ai droit à une deuxième question. Oui, vous avez droit. Oui. Bon, notre question, c'est un autre domaine. C'est un peu donner suite à ce que Max Dorismond disait plus tôt. Il parlait de 5G, d'intelligence artificielle. Et moi, dans le cadre de mes recherches, j'exploite des algorithmes d'apprentissage automatique et tout, mais c'est pour le bien commun, c'est précisément pour éviter des accidents de travail. Donc, c'est pour prédire ces accidents-là et faire ce qu'il faut pour les prévenir, au fait, et éviter qu'ils arrivent. Maintenant, on sait dans toute technologie, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et vous avez dit que vous alliez considérer cet aspect-là, la technologie, notamment l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez déjà un plan pour contrer les dérives liées aux technologies? Par exemple, si on prend tout simplement Internet, grâce à Internet, on peut se voir ce soir virtuellement. Mais il y a des gens qui exploitent ça, par exemple, pour faire du piratage. Il y a toujours un côté où il y a un côté sombre à toute technologie. Et donc, il faut contrer ça. Donc,
Et je pense qu'il faudrait aussi travailler de concert avec, par exemple, des éthiciens. Je sais qu'en décembre 2018, il y avait le dévoilement de la Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas où ça s'est rendu, parce que j'avais participé aux débats qui ont amené à ce rapport-là, et je me demandais où s'est rendue l'exploitation des recommandations de ce rapport-là, et en quoi ça va tisser, façonner l'avenir, voilà, en politique, de vos décisions, etc., pour éviter des dérives majeures. La question est fort pertinente et souvent d'ailleurs quand on parle d'intelligence artificielle et de l'importance d'inclure la diversité, souvent ceux qui développent les algorithmes, qui développent les produits sont des hommes blancs d'un certain âge, c'est très 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 spécifique, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de biais qui sont introduits dans le développement même de nos algorithmes et il faut réfléchir justement à l'aspect, aux impacts sociaux de technologies comme l'intelligence artificielle. C'est pour ça que moi, j'avais beaucoup encouragé à l'époque les formats ou des endroits où les gens peuvent venir parler des impacts sociaux de ces changements-là. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que j'ai quelque chose dans la plateforme? La réponse directe, courte, c'est non. Mais la question que j'ai envie de vous dire, Sabrina, c'est là, vous êtes à Laval. Je ne sais pas si vous êtes membre du parti, mais si vous n'êtes pas membre du parti, vous devriez l'être. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, venez écrire la plateforme avec nous. Parce que ce n'est pas juste un parti politique, ce n'est pas genre, oh, il y a la chef du Parti libéral qui va décider ABCD, puis on va partir comme ça. Ça se fait aussi en collaboration, en communion avec les gens, en co-création avec les gens. Et là, on va lancer une tournée dans les prochaines semaines sur la charte des régions, justement, pour aller prendre le pouls et savoir ce que les gens ont envie d'entendre, de discuter, etc., notamment dans le but de proposer de nouvelles idées. Moi, Sabrina, ce que j'ai envie de vous dire, c'est impliquez-vous. Venez nous voir, participez. Vous avez l'air d'avoir plusieurs idées que vous pourriez mettre de l'avant. Ça vaut la peine, c'est le fun, ça permet juste de partager un certain nombre de choses. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Tout ne va pas être top-down dans ce qu'on va présenter, mais ça va émaner beaucoup des consultations que l'on va faire également. Merci de l'invitation. Merci, Sabrina. Merci, au revoir. Merci. Alors, il y a une autre personne qui a levé la main. Alors, ah bon, vas-y. Oui, bonjour, bonsoir plutôt Dominique, très enchantée. Enchantée également. J'appelle Sarah Jane, j'habite à Laval et je suis dentiste. Donc, je peux pas parler par rapport à mon travail en tant que tel. Cependant, j'entends de mes collègues, amis, anciens collègues d'université que, tu sais, oui, il faut faire de la place pour que les femmes, comme on l'a dit déjà, les personnes de minorités visibles, ne soient pas discriminées au travail. Donc ça veut dire qu'elles aient accès au même poste que tout le monde. Quand, là je parle plus des plus gros bureaux, des plus gros cabinets, où est-ce qu'on entend souvent que ah, telle ou telle personne a eu ce poste parce qu'il est issu d'une minorité, mais pas parce qu'il a les capacités en tant que telle. Ça me met en furie d'entendre ça parce qu'on le sait tous. Il y a beaucoup de personnes ici bien éduquées qui ont travaillé, qui ont étudié au même titre que tout le monde. Donc, comment faire pour maximiser la visibilité des minorités dans peu importe le travail, dans peu importe le poste occupé, sans avoir cette fatigante discrimination qu'on entend souvent? Mais je pense qu'il faut répondre aussi aux gens, hein. Je vais vraiment donner, là. Ouais, ben, non, mais c'est parce que moi, quand j'entends ça, là, premièrement, ça me fait. Je sais que quelqu'un a dit, ben, c'est parce que, tu sais, quand Obama il a été élu président, là, c'est parce que c'était de son temps, il a été élu parce qu'il était noir. J'ai dit, ouais, mais tous les autres avant, ils ont tous été élus parce qu'ils étaient blancs. Parce que s'ils avaient été autre chose, ils n'auraient pas été élus. Fait que, il faut pas. Moi, ça me fait toujours sourire, ces affaires-là. En général, les gens qui sont justement, se retrouvent dans ces positions-là, sont des gens extrêmement compétents parce que les gens ne prennent pas trop de risques, hein. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ces commentaires, j'entends le commentaire, puis les gens m'ont déjà posé la question, ils disent « Dominique, toi, est-ce que tu sens que parfois, si tu as eu un poste, est-ce que tu sens que c'est parce que tu étais une femme, tu étais issue d'une communauté culturelle, etc. » Eh bien, franchement, je m'en fous. La réalité, là, c'est que une fois que tu as le poste que tu as,
Ton rôle, c'est de livrer la marchandise, de livrer les résultats, de devenir un exemple pour le reste des personnes. Je ne veux pas minimiser cet élément-là, mais j'y accorderai plus ou moins d'importance. Parce que ce qui est essentiel, c'est que les personnes qui sont rendues dans ces postes-là ou qui les ont obtenus puissent être des exemples, puis puissent se... de l'eau sur le dos d'un canard, là, les commentaires qui sont faits, puis essaie de voir comment tu vas en convaincre d'autres, puis tu vas pouvoir en accompagner plusieurs autres avec toi dans ton cheminement. Parce que si tu te concentres sur « est-ce que je suis là? Parce que, est-ce que c'est vraiment parce que je le mérite? » etc., etc. T'as pas fini, là. Tu te concentres pas sur les bonnes affaires. Faut que tu te concentres sur les bonnes choses. Puis les bonnes choses, c'est de livrer la marchandise, d'être un exemple, de prendre la main des autres, de les amener, de les accompagner avec toi, de faire en sorte que t'es capable de faire avancer le plus de personnes possible. C'est ça qui est... C'est ça pour moi qui est important. Alors, j'ai peur de mal répondre à ta question de la, pas nécessairement de la bonne manière, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment ce que je te dis, c'est je le pense vraiment. Je ne perdrai pas beaucoup de temps avec, je perdrai pas beaucoup de temps avec ça. Une fois qu'on t'a donné l'opportunité de faire quelque chose, you go and you deliver. C'est ça que tu fais. That's good. Merci. Merci. Il y a M. Lemarec Destin qui a levé la main. D'accord. Bon, Mme Anglade, j'ai constaté dans votre texte d'introduction, vous avez beaucoup parlé de pandémie, de COVID. Bon, c'est normal parce que c'est une préoccupation générale, universelle même. Alors, on a vu comment partout, on a fait tant bien que mal pour gérer et la pandémie, puisqu'il n'y avait pas de manuel d'utilisation, de marche à suivre, de choses comme ça. Moi, j'arrive, je suis déjà dans l'après-COVID. Je parle à trois personnes. Je parle à Mme Anglade, chef de parti de l'opposition officielle, mais surtout à la gestionnaire de haut niveau. Si ma question, la question que je vais prendre là, voici la question. Si vous trouvez que la question perce peut-être un secret du Parti libéral, bon, vous pouvez vous en abstenir. Mais est-ce que, parce qu'on parle de l'après-COVID, ce ne sera pas un jeu d'enfant, je pense. Ce sera de gros chantiers avant de faire démarrer la machine. Est-ce que le Parti libéral en lui-même, je sais qu'il y a les ministères, mais est-ce qu'il y a un task force, un think tank qui se réunit pour préparer cet après-COVID pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu comme maintenant on va à la petite semaine, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de marche à suivre. Est-ce que la gestionnaire, chef de parti, est-ce qu'on a déjà une équipe qui planche déjà sur cet après-COVID? Parce qu'après les grandes calamités, on a vu que c'est toujours difficile de voir parce que ce ne sera pas, dans ma tête, un démarrage comme avant la COVID, comme ça marchait, ça allait de soi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Merci, merci beaucoup. C'est M. Destin, c'est ça? Oui, Lemarec Destin. Parfait. Merci de votre question que je vais répondre en deux volets. Quand vous parlez de la gestionnaire, moi, j'ai d'abord envie de vous dire que, dépendant des juridictions, ça a été géré de manière différente. Vous faisiez référence à une gestion à la petite semaine. C'est ce qu'on vit quand même au Québec. Et je pense qu'il y a des éléments clés de cette crise qu'on a mal maîtrisés, notamment les équipements de protection, le transfert des patients, le transfert des employés, la stratégie de test qui est franchement, qui a été dans toutes les directions de la stratégie de test jusqu'à cette semaine où encore une fois, ça fait des semaines qu'on dit, des mois même qu'on dit qu'on devrait utiliser des tests rapides pour dépister des gens qui sont asymptomatiques et combien de fois on nous a dit qu'on ne voulait pas aller dans cette direction-là pour la stratégie de test. Donc, je pense qu'il y a vraiment, en termes de gestion, des choses qui ont manqué de manière importante. Et vous dites, est-ce qu'on se prépare à la suite? J'espère qu'au sein des ministères, on se prépare à la suite, mais je ne peux pas répondre à la question pour les ministères. Au Parti libéral, c'est sûr qu'on est en train de se projeter pour l'après-COVID. Pourquoi? Parce qu'on ne voudra pas revivre 2019. 2019, c'est une année qui est
en arrière de nous. Et l'objectif, ce n'est pas de retourner à la normale de 2019. L'objectif, c'est de se déterminer quel est le Québec de demain. Qu'est-ce que nous avons retenu de toute cette crise-là? Qu'est-ce que ça va changer au courant dans la suite des choses? Et je crois, encore une fois, que dorénavant, on ne pourra pas juste parler de croissance du PIB pour parler de richesse. Il va falloir qu'on parle d'inclusion. Il va falloir qu'on parle de nos changements climatiques à l'intérieur même de la création de richesse. Il va falloir qu'on intègre tous ces enjeux-là, dans le discours, mais dans les politiques publiques qu'on va mettre de l'avant. Moi, je ne souhaite pas retourner à 2019. Je pense qu'on avait des enjeux en 2019 et je pense que notre responsabilité, c'est de proposer une offre politique qui va faire en sorte qu'on a intégré tout ce que nous avons appris en termes de santé mentale, en termes de personnes plus vulnérables, en termes d'écologie, à l'intérieur même des politiques qu'on va vouloir mettre de l'avant post-COVID. Et on rentre dans l'ère post-COVID, même si on est en pleine crise encore aujourd'hui, il faut réfléchir à l'après. Et oui, il y a des gens qui réfléchissent avec nous au Parti libéral. Il y a d'ailleurs probablement Sabrina qui va se joindre à nous pour nous aider à réfléchir. Alors, je lui fais un clin d'œil tout de suite. Mais tous ceux qui veulent venir et participer, amener une réflexion, on part en tournée. Elle va être virtuelle, évidemment, dans un premier temps, dans les prochaines semaines. Donc, ça va être l'opportunité aussi pour les gens de participer. Mais c'est incontournable que de se préparer à l'ère post-COVID. Merci, Mme Anglade. Il ne nous reste que seulement 4 minutes, 3 minutes maintenant. Alors, vas-y. S'il y a quelqu'un qui veut parler, je veux bien lui laisser le micro, mais c'était prévu que j'allais dire quelques mots. Je vérifie, est-ce que tout le monde, c'est le moment de le faire, puisqu'on va devoir se quitter tout à l'heure? Alors justement, vous pouvez le faire peut-être dans deux minutes. Alors il y a une personne qui a levé la main, je crois que c'est Wendy Dorismond. Wendy, vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Anglade. Donc je me présente rapidement, Wendy Dorismond, fonctionnaire au gouvernement fédéral. Ma question pour vous est, qu'est-ce qui vous a motivé à aller, à vous lancer dans la politique? Merci. Wendy, vous habitez où? Vous êtes à Ottawa ou bien vous êtes à Laval? À Laval. On a un club lavallois ici, là. Dans toute ma carrière, j'ai travaillé pour des grandes entreprises, puis je me plaisais beaucoup là-dedans, développer des compétences en gestion, avoir des beaux défis professionnels, etc. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours aussi été impliquée dans la communauté parce que je sentais que ce n'était pas assez pour moi de travailler. Puis j'avais l'impression que, d'un côté, je créais de la richesse, puis j'enrichissais des compagnies, mais mon cœur, en termes de contribution, il n'y était pas. Puis c'est pour ça que même j'ai lancé une fondation qui s'appelle la Fondation Campé pour Haïti, justement. J'ai fait différentes initiatives parce que je sentais qu'il fallait que je redonne à la société. J'ai voulu, quelque part, essayer de combiner cet aspect professionnel, création de richesses, milieu des affaires, etc., avec plus l'aspect communautaire. Je trouve que la politique, c'est le lieu idéal pour le faire. Idéal peut-être en théorie, parce que ce n'est pas parfait, mais ce que ça m'a permis de voir dans les dernières années en politique, c'est qu'il y a une possibilité de le faire. Et c'est ce que je souhaite mettre de l'avant en politique présentement. C'est de se dire, est-ce qu'on est capable, au Québec, d'encourager des entreprises qui pensent non seulement aux questions des enjeux climatiques, également aux enjeux d'inclusion, et puis de réfléchir à comment nous allons redistribuer la richesse que l'on fait pour qu'on ait une société plus juste encore et plus équitable. Ce sont des questions, pour moi, c'est ça l'économie moderne. Pour moi, c'est ça un Québec moderne. Ce n'est pas un Québec qui remonte à 1980 puis qui utilise les mêmes paradigmes. C'est un nouveau paradigme. Le Québec a été capable de devenir la quatrième puissance mondiale en termes d'hydroélectricité. Est-ce qu'on est capable d'envisager que nous soyons une société dans laquelle, quand on va regarder, on va dire, eux, ils ont vraiment réussi à développer cette économie durable et inclusive avec tout le monde autour, avec c'est pas uniquement la croissance du PIB qui importe, mais le niveau d'éducation, le niveau d'inclusion, la bienveillance que l'on a auprès des gens qui nous entourent, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à aller faire là, et c'est ça qui m'a encouragée à aller en politique. Je me suis dit, ben, je vais tenter ma chance. J'avais déjà
quand la CAQ est arrivée en 2012, j'avais décidé que j'irais avec la CAQ parce que je me disais, ah, ben c'est un parti qui est nouveau, puis peut-être que je vais être capable de réconcilier ça en allant à la CAQ, mais ça a été peine perdue pour toutes sortes de raisons. Ce n'était pas du tout ce que je pensais que ça allait être. Et je suis partie. Avec le Parti libéral, historiquement, le plus vieux parti au Québec, a été le parti du progrès. Le parti qui a été capable de faire la révolution tranquille, le parti qui a été capable de mettre des institutions en place, le parti qui a affirmé aussi le fait français au Québec. Il y a des gestes forts que ce parti-là a pu mettre de l'avant. C'est le parti du progrès, le parti de la modernité, et c'est ce que je souhaite que nous incarnions à la prochaine élection. C'est ce qui me motive au quotidien. Je me dis, si on est capable de faire ça, on va faire une différence dans la vie de chaque individu. C'est pour ça que je fais de la politique. Puis je me dis, si je suis capable de rendre la société un peu plus juste, un peu plus égalitaire, un peu plus équitable pour tout le monde, ben j'aurais quand même accompli quelque chose ce faisant. Donc, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'anime réellement. Merci. Merci. Je crois que Mme Élise Lebon a quelque chose à ajouter. Mme Élise, vas-y. Voilà. Et donc, je pense que notre rencontre tire à sa fin. Je voudrais d'abord remercier à Dominique d'avoir bien voulu accepter de rencontrer quelques personnes de la communauté. Et les personnes qui sont là actuellement, ce sont des gens qui peuvent très bien influencer. Ce sont des influenceurs. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là, j'espère. Et sans citer de nom, je dois dire quelque chose qui est très important. Beaucoup d'entre eux, ils ont toujours été des libéraux et beaucoup d'entre eux financent bien avant. Et avec l'arrivée de Dominique, bien sûr, les gens ont voulu le faire de façon même un peu plus ouverte, mais il y en a qui veulent quand même rester dans l'anonymat. Je les encourage, ces gens-là, à devenir membres. Tu l'as dit, Dominique. Et parce que c'est en faisant partie du parti, là, on peut faire valoir nos idées. Évidemment, vous tous, vous avez vécu, vous avez de l'expérience, vous êtes prêts à nous soutenir, à soutenir le Parti libéral, à soutenir Dominique, puisque c'est elle notre chef, et on voudrait bien qu'elle réussisse. Et alors, si vous avez des idées, je vous invite à m'écrire. Je vous invite et je vais m'assurer que ces idées-là soient partagées. Mais le plus important, c'est qu'il faut comprendre le fonctionnement d'un parti et il faut trouver l'endroit où faire valoir nos idées. Ça ne se fait pas, chacun a une idée, on dit « bon, j'ai une idée ». Donc, il faut converger les idées vers les comités qui existent déjà. Et c'est à travers ces comités, il y a des commissions qui sont là, il y a des sous-comités où on peut parler de santé, de tous les enjeux politiques, de tous les enjeux de développement, de tous les enjeux qu'il y a. Donc, s'il vous plaît, devenez membre. Et parlez aux gens. Vous autres, encouragez les autres à venir nous rejoindre. Et il n'y a pas de mauvaises idées. Évidemment, tout ne sera pas accepté parce qu'on est en démocratie. Il faut que quand il y a des idées qui ont été discutées, eh bien, on fait appel aux membres pour dire est-ce qu'on va aller dans cette direction et il faut que les membres soient d'accord. Alors, merci d'avoir accepté de venir parler à Dominique ce soir. Et vous voyez, c'est une fausse idée que les gens avaient, je dois le dire, puisque nous sommes entre nous, c'est une grande famille, que les gens se disaient, ah, mais non, Dominique, on ne peut pas la rejoindre, elle est froide. On avait une très mauvaise idée de qui est Dominique. Dominique est facile à rejoindre, mais sauf qu'il faut savoir qu'elle a un agenda qui est vraiment cousu
de partout, il y a des, il y a Léa qui lui dit, il y a Marie-Élise qui dit qu'il devrait faire ci, qu'il devrait faire ça. Alors, soyons, continuons. Je vous invite à poser les questions et surtout à vous joindre à ces comités qui existent pour permettre d'arriver à une plateforme qui va et faire des promesses qui sont réalisables. Et le Marek disait surtout, il faut nous faire rêver. Eh bien, rêver, c'est à vous autres de nous dire de quoi rêvez-vous. Donc, si vous ne le dites pas, alors nous ne saurons pas. On ne peut pas créer des rêves. Bien sûr qu'on peut faire des suggestions, mais c'est ensemble que nous allons rêver ensemble. Alors, voilà ce que j'avais à dire. Merci, Max. Max, tu as travaillé très fort. Merci aussi à Hervé Gilbert d'avoir pu rendre cette rencontre possible. Là-dessus, je vous laisse et puis vous savez comment me rejoindre. Et merci encore, Dominique. Voilà. Merci, Madame Lebon. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre visioconférence de ce soir. Un grand merci à Madame Anglade. Madame Anglade, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à notre vidéo débat. Vos propos ont été très édifiants. Et j'espère que l'auditoire, les panélistes et les visio-spectateurs en sont sortis satisfaits. Nous vous souhaitons encore un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous savez, sachez que vous êtes le premier à me souhaiter bonne fête. Alors, ça me touche et j'espère bien pouvoir célébrer quelque peu, même si ça va être en nombre restreint. Merci à tous ceux qui ont été présents. Et quand je vous dis à tous ceux qui veulent s'impliquer, n'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas facile, mais c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, merci beaucoup à tout le monde.